Et bienvenue pour le troisième épisode de The Long Dark avec la nuit infinie et les aurores boréales. Donc la dernière fois, on a fait deux, donc bien sûr deux épisodes, hein. On est au troisième. Donc nous sommes apparus à Muskegmorn, on a dû faire la voie ferrée parce qu'on a été repoussé par des loups. Maintenant on se retrouve au lac Mystère. On s'est baladé dans une des meilleures zones, hein, du jeu, donc le barrage Carter. On a trouvé des bonnes choses, on a trouvé très 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 bonnes choses. Ah, j'ai cru que j'avais entendu de la tempête, mais non. On a trouvé des très bonnes choses dans le barrage Carter. On a trouvé la lampe qui était quasiment pleine. Et dans un sens, c'est vrai que je dis qu'on a été repoussé dans la voie ferrée et tout ça. Mais c'est dans la voie ferrée qu'on a trouvé le fuel, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que dans un sens, ça s'est très très bien goupillé. Donc on a nos deux objets les plus importants, je crois, de notre survie personnalisée. Donc on a ça. On a quelques balles et tout ça. Mais on va devoir faire le tri sur ce qu'on va faire, ce qu'on va prendre et où est-ce qu'on va aller. Donc on a plus ou moins décidé d'aller à Milton. Pourquoi? Parce que donc nous sommes au lac Mystère. Milton, il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Donc il y a le chemin par le lac Mystère qui est plutôt direct parce qu'on arrive directement, on doit prendre deux cornes et on arrive directement dans les hauteurs en fait de Milton. Donc c'est vraiment vraiment très rapide et très facile en fait du coup. Ou alors sinon on a le chemin par Muskegmorn. Le chemin par Muskegmorn, c'est ce qu'on avait fait la saison 5. C'était assez intéressant, mais bon, il y a des grottes et tout ça. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien de le faire, c'est bien de voir un peu le paysage et d'apprendre comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de le faire depuis le lac Mystère. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Surtout que on va dire qu'il y a des endroits assez plats. On va peut-être pouvoir sprinter sans vraiment trop utiliser de calories. Alors pourquoi pas aller à l'autoroute côtière? Parce que l'autoroute côtière en fait c'est chiant. Je vais être honnête. Parce que vous vous rappelez la dernière fois en fait on a eu des problèmes pour la vie. Déjà là on est à 50%, ce qui est bien. Mais elle se fatigue jamais. Hein, notre petite Ellie ne se fatigue jamais. Donc du coup on a des problèmes pour dormir. On a des gros problèmes pour dormir. Et qui dit pas dormir dit on récupère pas de vie. Je vais essayer de prendre tiroir, voilà. Voilà, donc pas dormir, pas de vie, et ça c'est un gros, gros, gros problème au final, un très très gros problème même. Du coup on est un peu bloqué avec ça, ça devient en fait très dangereux de sortir et de commencer à perdre de la vie parce qu'il fait froid, ou parce qu'on a faim, parce qu'on a soif, etc. Donc faut faire très 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 attention à ça. Là, on a tous les livres. Ok, j'en ai aucun sur moi. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de livres. Bon, après, c'est vrai qu'on en a 3, 5. On en a 5 extra. Normalement, on devrait pas les trouver, ceux-là. Non, si, si, on les trouvait. Non, non, ils avaient été rajoutés après dans l'intrus. Même si on n'a pas les douilles, ou même si on n'a pas les armes et tout ça, on peut quand même les trouver. À une époque, on pouvait pas trouver les livres s'il n'y avait pas les armes disponibles dans le mode. Maintenant, ça a changé. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai remarqué même. Sinon, on va pas prendre de livres. Donc, on va aller à Milton. Voilà. Et pourquoi pas l'autoroute côtière? Parce que l'autoroute côtière, en fait, c'est des endroits extrêmement espacés. Et comme j'ai dit, c'est un problème, en fait, pour le froid et tout ça. Parce qu'on va avoir froid. Et on va perdre de la vie petit à petit. Et ça va être très, très embêtant, en fait, pour récupérer la vie. Par contre, Milton, c'est l'inverse. C'est plein de petites maisons. Donc on va pouvoir tout simplement les fouiller les unes après les autres. Bon, c'est un peu toujours le problème, hein, le début, parce que il fait pas y a pas d'aurore boréale, donc on voit pas grand-chose. Je suis désolé. Je pense qu'on est bon, honnêtement. Il n'y a pas vraiment. On va prendre les faitous, même si honnêtement, j'ai envie de dire que les faitous, c'est. En prendre deux, c'est peut-être overkill, mais on est très léger. On n'a pas de bons vêtements, on n'a pas de gros vêtements. On n'a pas grand-chose, en fait, sur nous. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas grand-chose. Donc je pense qu'on va tout simplement y aller.
Oui, non, je vais être honnête, y a rien à prendre en fait. Y a rien vraiment à prendre. On a des torches, on en a deux à 100%. Après, on en a eu quelques-unes en plus. On a la lampe. C'est vrai que les torches, on n'en a plus trop besoin maintenant. Donc, on va les utiliser, celles qu'on a, et puis après, on arrêtera d'en faire. Enfin, on en gardera quelques-unes de côté. Mais sans plus. Par contre, on va peut-être déposer. Ça, on va garder les antibiotiques et tout ça parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup de baies et tout. Ouais. Et après on a des carcasses de lapins. Les carcasses de lapins, honnêtement. J'ai envie de dire que le lapin, ça peut être intéressant. Le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps à les recycler, non? À 1h20. Vous savez quoi? On va sortir maintenant. Vous savez quoi? On va aller au camp du trappeur, là. Qui est près de la zone pour aller à Milton. On va prendre les lapins avec nous. Et les lapins, en fait, ça nous servira si jamais on se fait choper par des loups. On balance les lapins. Et sinon, on les ramène avec nous à Milton, tout simplement. Pourquoi? Parce que je pense que le temps qu'on... On va rester longtemps, en fait, à Milton. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir crafter, genre, les moufles ou la chapka. Chapka en peau de lapin. Donc voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Je commence un peu à m'habituer aussi à pouvoir sprinter et tout ça. C'est vrai que c'est honnêtement c'est très étrange hein, de jouer comme ça, je vais être honnête. Mais je commence un peu à m'habituer aussi. Il faut marcher au bon endroit au bon moment pour... Pour pas consommer plus de calories que nécessaire. Un truc qu'on pourrait faire là, c'est aussi c'est prendre plein de champignons. J'aurais dû peut-être... On aurait dû peut-être faire cuire un truc, mais non, on devrait y arriver. Enfin, le début, ça va être très chiant, hein, parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de bons vêtements, c'est vraiment ça le problème. Mais après, ça va s'arranger. C'est juste là, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, bah du coup, on a froid. Dès qu'on sort, on a froid, en fait. Et je voudrais faire, en fait, du feu dans la cabane du trappeur. Comme ça, on aura... on aura le bonus. Là, on est pas loin, on est pas loin. Là, il y a le cadavre. Rien du tout. On n'est pas très loin. Je n'arrête pas de louper les petits bouts de bois. Vous voyez là, je suis pas trop sûr en fait de pourquoi je perds plus de calories parce que pourtant c'est plat. Je pense que c'est parce que j'ai froid. Mais honnêtement, je suis pas complètement sûr. On n'a pas perdu énormément.
Même si je vais être honnête, c'est quand même très très embêtant. Rien que de perdre un tout petit peu, c'est handicapant. C'est très handicapant. Donc je vais juste regarder. Je vais allumer une torche. Parce qu'on va faire du feu de toute façon. Mais je veux juste voir si on a. Enfin, voir. Non, je vois rien, mais juste savoir si on a du bois, je pense. Poêle à bois, oui. Chaise. Est-ce qu'on a chaud? Oui, on a chaud, ça va. Et après, on a le charbon. Ouais, non, ça va. Bon, par contre, comme j'ai dit, regarde, donne-moi le sac. On va faire ça. Comme ça, elle utilisera les allumettes en bois. Regarde si on n'a pas de bois. Non. Je vois pas de bois. Alors hop, très bien. On a déjà deux faitous ici. Waouh la vache. Je pense qu'on a de la chance. Je pense qu'on a de la chance. Très bien. Vous avez vu la différence aussi de. On va ressortir une torche. Hein. La différence que quand la tor quand on allume une torche ou quand on n'a pas de torche allumée. Vous voyez la différence de lumière, c'est un peu exagéré, je trouve. C'est un tout petit peu exagéré. Alors, on a une note abandonnée. Oh, c'est un backer. On a une loupe. Alors, je vais être honnête, je sais pas si la loupe fonctionne avec l'aurore boréale. En théorie, je dirais que non, évidemment, dans toute logique. Mais vu qu'on peut dessiner les plans, les cartes et tout ça, pourquoi pas? C'est peut-être que ça marche. Honnêtement, peut-être que ça marche. Donc, faudra voir. Faudra voir ça. Ouais, du coup on a juste 1h20 de feu, c'est pas énorme. 15 minutes. Elle doit avoir faim et soif. On a un peu soif. Ça. On a deux choses à cuire. Est-ce qu'on peut les faire chauffer à... Non, non, il faut les faire cuire d'abord. Ah, quoi que non, elle... Ah, elle l'ouvre automatiquement. What? Fais voir. Waouh, intéressant ce système. Elle l'ouvre automatique. Elle la... F... Non, mais arrête. Attends. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, je crois qu'on peut le considérer comme un bug, je pense. Honnêtement. Parce que vous savez que quand on met un. Par contre, on va sortir et on va essayer de trouver du bois. Vous savez, quand on met du thé ou quelque chose à réchauffer, en fait, à côté d'un feu, ça se réchauffe du coup. Si on ne le met pas dessus, hein, je parle. Si on le met juste à côté, ça se réchauffe. Et les. Les conserves comme ça, en fait, vous pouvez faire exactement la même chose. Mais le problème, c'est que... Ah, il y a peut-être des lapins aussi. Le problème, c'est qu'elles sont fermées. Donc, quand je les dépose, genre, à côté du feu, où elles sont à portée, en fait, pour chauffer, bah, du coup, elles les ouvrent automatiquement. Elles les forcent automatiquement. C'est très, très bizarre. Oh waouh, il n'a pas eu de peur. Non, putain de merde.
Ça, ce serait bien qu'on attrape les lapins, comme ça on a un peu de viande. What? Oh la merde! Putain, qu'est-ce que je donnerais pour avoir un arc? Non, on l'a bien eu là, par contre. On l'a bien eu. On peut leur balancer des torches? Du coup, j'ai pas trouvé de bois. Oui, il y a ça aussi à prendre. Je sais pas si j'en ai pris des barbes. Oh. Non, on peut pas. S'il faut, ça le cuit en même temps. Hein. Ça lui fout le feu et ça le cuit. Y a pas de bois. Voir si on peut pas l'avoir. Putain, il a eu peur ce coup. Non, on commence à avoir froid. J'avais pas vu que ça s'était descendu aussi vite. Ok. Donc on a pas grand chose. Eau potable dans 33 minutes. Ok, on se réchauffe un peu. Nous on va faire... Attends. C'est lequel qui est... Ok, là il y a... Ah non, si, il y a de la viande. Là il n'y a pas de viande, là il n'y a pas de viande. Ok. Pam pam. Recycler 27 minutes, très bien. C'est pas énorme, mais on se débrouille. Oui, dans une minute, très bien. Ça. Ça, 10 minutes, 20 minutes. On va sortir vite fait. On va voir si on peut pas récupérer le lapin, le deuxième. De lapin. Je vois pas de lapin, on va prendre le bois. Faut aller très vite en fait dans cette survie. C'est marrant hein, de jouer comme ça. On va pas trop rester à l'extérieur parce qu'on a le thé là. Ah putain, il est là. Il est tellement bon. Eh hey, go 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 go. Il y en a encore un autre. Oh putain. Ok. C'est super drôle de devoir courir partout comme ça. C'est très très... C'est très très étrange. 1h20. C'est super étrange. Là on a 8 minutes, 8 minutes, 7 minutes, très bien. Du coup, on n'a pas vraiment besoin de dormir. Sinon, on a du café, au pire. 23 minutes. On va attendre que ça finisse. Hop, hop, très bien.
une heure. On va faire... C'est combien? C'est 20, c'est 30 minutes à peu près. Ouais. On va faire comme ça. C'est pas grave. De toute façon, de l'eau, on en a. Puis on a les... On en a assez. Ok, ça c'est très bien. On va poser ça. Ça, du coup, je sais pas si on les force en fait. Si on les force maintenant. Ou alors on attend. J'ai envie de dire qu'on... On va voir déjà avec la nourriture qu'on a. Non, on a pas énormément. Alors, on a vraiment pas énormément. Minutes de feu, près dans 13 minutes. Oui, il nous faut plus de bois là par contre. Ah En plus, j'ai pas tout fouillé. Hein. J'ai pas tout fouillé. Enfin, il y a le coffre à faire. Il y a aussi le coffre à faire. Voilà, on peut voir un peu. Au potable, oui. Ouais, on va devoir faire ça. On va devoir le faire, ça sera plus safe, on va dire. Parce que je fais pas trop confiance. 9 minutes, 9 minutes, ok, très bien. Ah putain, c'était quoi? 16 ou 17 je crois. 16 même. Deux je crois. Ok, 16 4 16 4 16, d'accord, ok, super. Eh, dépêche, ça bouffe. 16. 4 et 16 encore, je crois. Ok, très bien. Ah ! Oh, il y a de la poudre à canon aussi. Ça tue. Ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt aussi. On a encore 44 minutes. Ok, là ça vaut le coup par contre. On va les laisser là pour le moment. Comme ça, ça sera chaud. Comme ça, tout sera chaud en fait. On n'a pas vraiment besoin de faire plus d'eau que ça. On peut mettre l'eau au pire. Mais... 1h, 30 minutes. Après, on peut lui mettre... l'aqua machin là pour purifier l'eau. On peut faire ça aussi. On peut faire ça. Je veux juste voir si on a vraiment tout récupéré ici. Parce que, ouais. Je l'ai fait un peu à la va-vite en fait. J'ai fait une partie, je crois pas que j'ai tout fait. Le livre c'est quoi? C'est la chasse? C'est le tir à l'arc je crois. Non, c'est le revolver. On va le... C'est pas grave, on va le mettre là. Ça par contre toi, hop, très bien. Les aquas, je sais même pas si ça vaut le coup de les garder sur nous. Enfin pour le moment, comme j'ai dit, on est très léger, donc pourquoi pas. Hein. Ok. Ok. Alors. Avant qu'on parte, on a du feu, on va allumer. On a, ça c'est top, de la poudre à canon. Est-ce que ça sert à de prendre la poudre à canon ici, avec nous? Réfléchissons, réfléchissons. Non, 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 non. Non, ça sert strictement à rien.
sert strictement à rien, donc voilà. Ça pèse combien, ça? 50. Ouais, non, 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 on ne prend pas. Le reste, je crois qu'on va garder. Hein. Le reste, c'est bon. Ça, je suis content, parce que c'est 850 de calories. C'est quand même énorme. Donc là, c'est un peu la... Honnêtement, c'est la première fois que je trouve de la nourriture dans un coffre en intro. C'est un peu abusé. Bon, ça va être prêt. On va pas les prendre. De toute façon, on a de l'eau. On va manger ça. Voir les deux. Et on va partir. Et on va partir. Je pense. Allez. On prend, on met le... On allume les torches. Et on y va. Pourquoi les torches? Comme ça on peut... On n'a pas besoin d'utiliser la lampe. Comme ça, pas besoin d'utiliser la lampe. Honnêtement, je sprint comme un porc, mais... Enfin, après, on a quand même deux cordes à prendre, hein. Mais je pense pas que on sera dans la merde par rapport à l'endurance. Je pense que ça ira. Je suis pas complètement sûr, honnêtement. Mais comme j'ai dit, après, on a un café, hein, et puis on a vraiment un café. Donc ça va. On va peut-être prendre du charbon un peu sur nous. On est à combien? 27 kilos, ça va. Okay, très bien. Ça fait... J'arrête pas de le répéter, mais ça fait tellement bizarre de tout le temps être pressé. Mais là, on est vraiment, encore une fois, c'est parce qu'on est pressé pour la perte de vie, en fait. C'est vraiment ça qui nous met dans le pétrin. J'ai envie de dire. C'est vraiment la perte de vie, au début. Donc, mieux vaut avancer vite. Comme ça, on trouve de la nourriture et tout ça, on trouve des ressources. Attendez. On va changer de torche maintenant. Ok, on est bon. On est bon et on est prêt pour aller à Milton. On n'est jamais allé à Milton aussi rapidement. Ça va, c'est bon. On a pas trop froid. Je sais pas si on devrait boire les thés maintenant. Parce que sinon, il va être froid. Je sais pas. J'ai envie d'en boire, hein. De toute façon, c'est pas perdu, hein. C'est vraiment pas perdu. Ouais, voilà, comme ça, elle est au max. Parce que je pense que c'est genre, c'est moins d'un quart pour remettre la chaleur. J'ai peut-être un peu peur en fait de sprinter comme un malade là, comme ça. Mais bon.
On devrait peut-être... J'ai un petit penser. On devrait peut-être... Genre trouver un camp près d'une corde. Comme ça, si jamais on veut se... On veut se fatiguer, on prend la corde. Genre on reste suspendu à la corde pendant 5 minutes. Et là, peut-être qu'elle se fatiguera. Ah, ça peut être une solution, hein. Vous savez, quand on est... On est dans l'extrême. Allez, là, la corde. Regardez, ça descend pas. En à gauche, hein, bah. Mais même là, même sa main en fait, ça descend pas. Ouais, non, mais là on descend. On est en descente, donc du coup elle se fatigue moins, moins rapidement. Mais le lendu, ouais, on verra quand ça monte. On verra quand ça monte. Je vais rien dire parce que on verra quand ça monte. Ah, c'est froid les deux maintenant. Putain. On a des champignons à prendre. Ah, tu nous fais chier, toi. Je devrais peut-être boire le café, honnêtement. Je devrais peut-être boire le café. Je sais pas. 7. Non, j'ai envie de dire que non. J'ai envie de dire qu'on est tranquille, regardez. Bon là, on est un peu extrême parce que comme j'ai dit, j'ai fait que sprinter. Hein. Donc c'est juste, vous voyez qu'elle ralentit. Elle ralentit quand même. Et vous avez vu la vitesse où la barre descend, c'est super lent. Même genre monter les cordes et tout, ça va être beaucoup plus simple. Vous avez vu ça? C'est incroyable. On va directement se mettre à l'abri. Vous avez vu? C'est énorme. Alors imaginez avec les crampons. Avec les crampons. Normalement on devrait avoir chaud dans ce bâtiment. Donc on est tranquille. Dis-moi qu'on a chaud. What? On n'a pas chaud? Ah, oh, fait chier. On n'a pas chaud. Depuis quand on n'a pas chaud ici? Tu m'expliques ça? J'ai pas repris les allumettes. Je viens juste d'y penser maintenant. J'ai complètement oublié de reprendre les allumettes. Oh merde. Oh, je suis en train d'utiliser un morceau de bouleau, non? Je suis allé trop vite. Aïe 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 aïe. Je crois qu'elle a utilisé le bouleau, non? Damn it. Ouais, elle a utilisé le boulot. C'est pas grave. Plusieurs erreurs. On a, alors déjà de une, on a oublié de reprendre les allumettes que j'avais mis dans le sac. Les deux boîtiers d'allumettes, les deux boîtes d'allumettes. Donc ça c'est déjà un problème parce que... Bon, enfin après c'est à cause d'elle, hein, là, qui a pas utilisé les allumettes en bois, hein, au lieu de... avant les autres allumettes.
j'ai envie de dire. Ça devrait être bon. C'est sa faute, hein, c'est pas la mienne. Hein. Bref. Et là, je viens d'aller trop vite. Et on a utilisé le boulot. En fait, ça c'est un problème. Il devrait le changer aussi. Le morceau d'écorce, en fait, de boulot qu'on a avant, à l'époque, il y a sûrement un an maintenant. C'était uniquement utilisé comme petit bois, en fait, pour faire du feu. Et du coup, vous en trouviez, bah, vous l'utilisiez en tant que petit bois. Maintenant, on peut faire des tisanes, des thés. Ça remet de la vie en plus, donc c'est vraiment vraiment bien. Mais ça peut toujours être utilisé en petit bois. Et ça, c'est un problème. Ça, il devrait ou l'enlever, ou alors faire en sorte que ça soit pas en premier. Ça soit pas en... On a chaud, là? Ouais, non, ça va, quand on est près du lit, on a le chaud. Que ça soit pas mis en premier, en fait. Donc, encore des petits trucs qu'il faudrait changer, honnêtement, j'ai envie de dire. Peuvent être un peu embêtants. Et ce bâtiment aussi, il était censé être chaud, normalement. C'était un peu, c'était même un peu pété, honnêtement. Vous arriviez à 1000 tonnes, en fait. La chaleur que le truc dégage, elle est énorme. Ah, mais attends, on est à combien? On a mis 2... Ouais, on est à 41 degrés, c'est normal. Ok, c'est pour ça qu'en fait, c'est si chaud. Parce qu'on a mis 2 charbons. Mais ce bâtiment était censé être extrêmement chaud, en fait. Quand vous arriviez depuis le lac Mystère. Qui rendait un peu la chose simple, on va dire. Ouais, on peut dormir un peu. On va peut-être dormir un peu. On va en profiter. Par contre, on va peut-être... Ça fait 4 heures de feu. On peut manger ça. Hop, très bien. Très bien. Parce que là, on est bien. On est tranquille, donc pourquoi pas en profiter un peu. On a combien? 4 heures de feu, on m'a dit. 4 heures. On va dormir 4 heures. On va pas dormir de toute façon 4 heures. Enfin, il y aura encore du feu, donc c'est pas un problème. Enfin, en théorie. Après, on a le... on a la lampe si vraiment il y a un problème. 40 minutes, très bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que... Oui, il y a une caisse là, mais j'ai l'impression d'être bloqué partout. Ok, on peut pas... Il faut vraiment une aurore boréale. Alors. On a récupéré un peu de vie. Pas énorme, honnêtement, mais... On a récupéré de la vie. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un thé maintenant. Je pense qu'on va prendre un thé maintenant. Comme ça, on aura le bonus de chaleur. Ouais, très bien. Ah, j'y crois pas qu'on ait loupé, qu'on ait oublié les allumettes. C'est vraiment con de ma part. On devrait pas avoir de problème, je vais être honnête. On devrait pas avoir de problème parce que si jamais on n'en trouve pas 1000 tonnes, ça serait un peu énorme. Mais ça peut être. Oui, non, ça peut assigner notre arrêt de mort par exemple. C'est quoi ce bruit? Je crois que c'est un cerf ou un lapin. Ouais, non, c'est des lapins. Ça peut être notre arrêt de mort. Le fait d'avoir complètement oublié les 2 boîtes d'allumettes. Il est là, il est là. Faut qu'on force.
dépêche. On est bon. Oh la vache. On est bon. Oh, la torche est bientôt finie. J'avais pas vu. C'est pour économiser la lampe. Hein. C'est complètement pour économiser la lampe. On peut dormir ici aussi. Hein. Ouh, très bien. Milton est pas mal. C'est vrai que ici aussi, en intrus, j'avais trouvé quelques conserves. Donc honnêtement, c'est un bon endroit pour trouver de la nourriture. Oh oui, on avait trouvé un paquet, je crois, la première fois qu'on était venu. Et je crois que honnêtement, c'est beaucoup plus simple maintenant. Depuis qu'ils ont rajouté, bah, par exemple, le sirop d'érable et les paquets de chips. Je vais être honnête. Beaucoup de gens avaient dit ça en fait quand ils avaient sorti ça pendant l'hiver ou pendant l'été, je crois, je me rappelle plus. C'était un événement, ils avaient rajouté ça et les gens trouvaient que l'intro était devenu extrêmement simple en fait. Et je vais être honnête, je suis complètement d'accord. Enfin, extrêmement simple, ça dépend des gens évidemment. Si vous n'êtes pas habitué, oui, non, ça reste dur, mais. Mais on est d'accord qu'on trouve beaucoup de nourriture en fait maintenant. Comparé à avant. Parce qu'avant il n'y avait pas tout ça. J'imagine que dans leur jeu en fait. Genre ça prend pas l'emplacement d'un autre objet, par exemple les chips ou les sirops d'érable et tout ça. J'imagine que c'est possible. On va la forcer, mais on va pas sortir. Très bien. J'imagine que certains objets prennent la place d'autres, ça oui, mais je pense pas tous. Et voire peut-être très peu. Oh, on a une scie, ça tue. Voire peut-être très peu au final. Donc c'est pour ça que, bah du coup, genre un emplacement de balles ou un emplacement de chips, bah, ça reste un emplacement de. Il n'y a pas de. C'est un truc roulé. Ça reste un emplacement de chips, donc du coup, si ça y est, bah ça y est quoi. Ça va pas prendre la place d'un autre objet ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est pour ça qu'on trouve beaucoup plus de nourriture qu'avant. Après, je me plains pas, hein, mais c'est juste que. J'ai envie de dire que quand même maintenant c'est beaucoup plus simple qu'avant. Je suis complètement d'accord avec ça. Voilà, très bien. Je pense qu'on a tout pris. Oh. Genre le truc super évident, je le vois pas. Oh, on a le bonus. Bien nourri, j'avais même pas vu. J'avais même pas fait attention. Très très bien, on est à 35 kilos. C'est pour ça que je veux avancer vite aussi. J'aurais dû me baisser. Il y a toujours le loup qui doit rôder. Je veux voir rien. Je pense qu'on est bon. Là, y a rien. Je suis pas regardé derrière, par contre. Ok. Je pense qu'on va aller directement. Vu qu'il fait froid, je crois qu'on va directement tracer à la maison principale de Milton. Je crois. Comme ça, on la fera. Comme ça, on l'a fait. Et peut-être qu'on arrêtera l'épisode là. Parce que j'ai fait un super grand épisode, le premier.
Je pensais pas. En fait, c'est parce que j'ai fait une intro qui était un peu longue, le temps d'équiper, d'expliquer en fait. Et je crois que la vidéo elle fait presque 1h30. Peut-être la voiture à la limite. Il fait froid, j'aurais pas dû faire ça. Maintenant on l'a commencé, on l'a fini, parce que sinon c'est moitié fait, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va s'amuser ici? Là, honnêtement, ça va être compliqué, Hamilton. Je veux pas dire, mais ça va être compliqué de survivre. Alors, est-ce qu'on a besoin de faire du feu? Je crois pas. Non. Est-ce qu'on a besoin de garder la torche? Je dirais que non. Oh, il y a ce très bon, très très bon. On a une deuxième lampe, parfait. Ouais, on n'a pas besoin de la torche. J'ai peur en fait de trop utiliser la lampe, qu'après on ait plus de... Qu'on ait plus de fuel. Mais ça va. Là, honnêtement, on a des allumettes, ça va. C'est intéressant parce que... On a combien? 12. C'est intéressant parce que ça change un peu la donne, parce que normalement c'est genre la survie et tout ça, il faut trouver des objets, Puis en plus en intrus c'est pas vraiment trouver des objets, c'est surtout, genre comment dire, farmer j'ai envie de dire, je sais pas, c'est différent. Et là en fait c'est aller plus vite pour trouver le plus d'objets possible, enfin c'est différent, honnêtement ça se joue super différemment, c'est vraiment vraiment cool. Mais ça se passe bien. Faut juste connaître le jeu par contre. Faut vraiment vraiment connaître le jeu. Genre là on a déjà le bonus des 35 kilos. Ça c'est top. Je sais pas. Honnêtement je sais pas si on va pouvoir le garder. Je sais vraiment pas si on va pouvoir le garder. Comme j'ai dit je vais essayer. Parce que comme ça on perdra le moins de vie possible. Mais au bout d'un moment, on peut pas faire que avancer. On va vider les lieux au bout d'un moment. Donc, il va falloir ou trouver une arme à feu, ou alors il va falloir aller crafter nos couteaux, notre hachette et tout ça pour pouvoir faire un arc. C'est ou l'un ou l'autre de toute façon. On a plein de fait-tout. Là, on n'aura plus de problème pour l'eau, ça c'est sûr, au moins. C'est sûr qu'on n'aura pas de problème pour l'eau. Très bien. Des vêtements par contre, je voudrais vraiment des vêtements, bah merci. Mais des bons vêtements s'il vous plaît. On a plein de tissus aussi, on a plein de maisons partout en fait. Hein. Donc le tissu on va le récupérer. C'est important. C'est quoi qu'on a trouvé? Pantalon de combat usé. C'est pas si mal. Ah oui, là, on m'a dit de détruire le tissu. Ah, j'aurais dû éteindre la lumière. Okay, parfait. Ouais, ici, il peut avoir des objets, en fait, derrière le tissu. Et j'ai l'impression qu'il y a quasiment tout le temps des objets, en fait. Okay.
Elle a quoi? La soif, la faim. Je crois qu'on a tout fait, non? Ici on a... Non, ici non. Puis on va super vite pour explorer, c'est tellement bizarre. Ouh! On a un revolver, ça y est. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est revolver au slot, c'est bon. Honnêtement, je suis beaucoup plus heureux de trouver le revolver que le fusil. Même si je vais dire à la chasse, c'est peut-être mieux le revolver, mais... le fusil, pardon. Mais bon. Je regarde s'il n'y a pas de... Des allumettes, peut-être, sur le rebord, je sais pas. Ok, j'éteins 5 secondes, on va regarder l'inventaire. Oh, fou. Ah, c'est... Honnêtement, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est plus stressant, mais c'est une autre façon de penser. Genre, il faut planifier en normal, en intrus normal, alors que là, il faut réagir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt réflexe, en fait. Donc, non, c'est cool. Honnêtement, c'est cool. C'est assez intéressant. Bon, ça, c'est bien. On a le fusil... on a le livre de revolver. On va le charger. Je me mets devant la fenêtre, comme ça vous pouvez voir un peu qu'on est en train de charger le revolver. Ok, cool. Un truc un peu bizarre avec le revolver, c'est qu'on peut pas... on peut pas bouger quand on vise. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire... Ils sont partis avec cette technique de pas pouvoir bouger. Donc... En plus, c'est des balles parfaites qu'on a. Ça va, c'est léger, honnêtement. Les balles de revolver, c'est quand même très léger, donc ça, c'est bien. Ça, on va... Attendez, il faudrait que je retrouve l'armoire. Bon, ça va. Il fait... Honnêtement, vous me direz, mais je... Enfin, il y a les fenêtres et tout ça. C'est pas trop, trop compliqué pour se déplacer ici. Ça, on va le laisser. Tac, tac. Ça, on va les garder. Ça, il faudrait les utiliser pour... Pour remplir les lampes, en fait. On va faire ça. Alors, les balles de fusil, on les laisse. Les pierres, du coup, on va les garder. Parce que j'ai pas envie d'utiliser des balles pour les lapins, si jamais on peut. Si jamais on a l'occasion. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait faire plus de torches ou pas? Je suis en train de me demander. Est-ce que ça vaut le coup de faire des torches? Je dirais que pour le moment, non, parce qu'on va, passer notre temps. Le prochain épisode, ça va être de la fouille, en fait, de bâtiments. Donc, je crois pas qu'on ait besoin de torches. Parce qu'on a la lampe. On va utiliser la lampe qui est presque vide. Et je pense qu'on va l'abandonner. La lampe qui est presque vide, une fois qu'elle sera vidée, si jamais on est trop plein, on la laissera de côté. Si on n'a pas besoin d'en avoir plus. Bon, là, on a tout ça. Ça, c'est bien. C'est très, très bien. Ouais, non, c'est les vêtements, ça pêche à mort, par contre. Ça, pour le moment, on va pas les garder sur nous, ça sert un peu à rien. Ça aussi. Les tablettes de purification d'eau. Non, ça peut être utile, on va les garder. Le charbon, je voudrais le garder de côté. Ça, ça, j'en ai aussi. On a la loupe, faudra que je me rappelle de tester. Je vais poser un peu d'eau par contre. On va faire comme ce qu'on avait fait la saison 5. Faudra que je teste en aurore boréale la loupe. Je dirais que non, hein, évidemment, mais c'est jamais, hein, c'est jamais. On sait jamais. Ok, donc qu'est-ce qu'on va manger en premier? Les conserves, vu qu'on a des bonnes conserves, honnêtement, on va les garder de côté. On va essayer d'attendre le plus possible avant de les manger pour voir si on peut pas si on peut pas trouver un ouvre-boîte avant. Ce serait vraiment vraiment bien. Ah, très bien. Je crois qu'on va aller dormir.
Ouais, par contre, désolé, mais on va faire ça dans le noir, donc on va se déplacer dans le noir. On est à combien de kilos? On est à 25 kilos. 25 kilos, c'est parfait. Je pourrais même jeter ça à la limite. Ça m'étonnerait qu'on ait besoin de faire du feu. M'étonnerait qu'on ait besoin de faire du feu. Voilà. Je pense qu'on est bon là. Notre équipement est bon. Après, on pourrait faire une pause. C'est pause pas raccordée. Recoudre. Pause couture. Mais la pause couture, en fait, va pas vraiment nous aider. Parce que ça va être perte de temps. Parce que vous avez vu que on peut pas vraiment chasser rien et tout ça. Donc il va falloir qu'on avance constamment. Donc la pause couture, non. Honnêtement, je préfère faire pause couture quand on aura des meilleurs, mais alors des gros meilleurs vêtements. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Bon, ça c'est bien. Est-ce qu'on peut pêcher à Milton? Je crois que oui. Je crois qu'on peut pêcher à Milton. Ouais, mais j'ai pas vraiment la carte. Nous, on est en hauteur. Je crois qu'en bas, on peut. Je suis plus trop sûr. Je crois pas. Non, je crois pas. Peut-être pas. Je sais plus trop. Bon, en tout cas, on a ça. Ouais. Comme j'ai dit, on va le garder de côté. Ouais, elle a de la calorie. On va dormir le plus possible et ce sera la fin de notre épisode 3 qui s'est très bien passé. Encore une fois, c'est, comme j'ai dit, c'est planifié en intrus normal, mais là c'est vraiment réagir en fait. C'est vraiment réflexe. C'est limite un jeu de réflexe maintenant. Vu la façon dont on joue. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Faites très attention à vous. Et à la prochaine. Ciao ciao.